Bob, il y a l'intérieur, les gars. Hey, on vient de sortir avec vos attestations là, qu'est-ce que vous faites là? Sortez pas dans la rue, je travaille pour la LSPJ. Ouais, tu travailles pour qui toi? Vas-y, viens, viens. Eh, hey, je m'en bats les couilles, reste à un mètre de distance, nique ta mère toi, reste à un mètre de distance, sale bâtard. Tu me braques comme ça, fils de pute, vous. Eh, hey, sors ton attestation là, tout de suite là. De comment là? Eh, hey, je te parle à toi, sale pige là. Voilà. Est-ce qu'on t'a demandé de sortir ou quoi? Y'a un couvre-feu, sale bouffon, va. Tu veux un coup de botte dans les dents ou quoi? Non, non, tranquille, 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 frère. Tu crois que je rigole avec toi, moi ou quoi? Non, non, tranquille. Casse-toi vite de là, casse-toi vite. C'est bon, c'est bon, c'est bon, wesh. Envie de là, arrête de faire le fou. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il est grave mignon. Ouais, non, en fait, gros, je suis désolé, je viens m'excuser parce que j'étais mal parlé, en fait. Ouais, en fait, ta batte, c'est le prolongement de ta petite bite, en fait. C'est pour ça que ça m'a impressionné. Tu peux bouger la voiture, s'il te plaît? Tu vas prendre un coup de batte dans les dents. Ouais, je suis en train de parler au poussin jaune, là. Ouais, t'inquiète, je suis en train de lui parler, il fait le mal avec sa batte. Embrouillez-vous plus loin, s'il vous plaît, et bougez vos voitures. Ah, vous êtes le gérant, c'est votre territoire, là, c'est ça? Vous êtes le gérant de la boîte de nuit? Je suis pas le gérant, je suis videur. Attendez, les gars, regardez ça. T'es mince la tête, frère. Mais d'où t'es videur, gros? J'étais un putain de vigile qui traîne à Franprix, ça, clochard, va. Arrête, t'es videur. Problème. C'est une boîte sérieuse. Ferme ta gueule, allez. Ferme ta gueule, enculé. De tout, tu fais ça. Je suis videur, ça, l'enculé. Il s'est passé quoi, là? Aïe, arrête de me frapper, les gars. Tranquille. Gare. T'as vu, il fait moins le malin comme ça. Mais gros, c'est pas le vrai videur, les mecs. Vous, depuis tout à l'heure, en train de vous berner, bande de guignols. C'est un faux videur. Si, on est du videur. Monte ta carte de videur alors, sale bâtard, va. Monte là, maintenant, tout de suite, là. Chauffe. Tu crois vraiment qu'on a une carte de videur? Alors, c'est qui le proprio alors? Vas-y, dis-moi. Le proprio, il arrive. Il arrive. Je l'appelle là maintenant, il arrive. Il arrive, mais c'est quoi ce prénom? Mais c'est un prénom de Gaulmont, en fait. Il arrive, il arrive. Je te remets un coup de botte. Non, non, tranquille. Arrête ça. Prends ta voiture et casse-toi d'ici maintenant. On veut pas d'emmerde, sinon on appelle la police. Mais quoi? J'ai le droit de laisse-moi ma liberté de consommer des putes dans ta boîte de nuit. J'ai le droit de faire ce que je veux. Bah alors, déjà, tu montes ta carte d'identité et tu payes 100$ l'entrée avant de parler. Ouais, bah attends, tranquille, je te la montre alors. Vas-y, bah fais voir. Voilà, je te la montre. Qu'est-ce qui tient le regard alors? Et par contre, tu vas descendre d'un ton, toi. Ouais, tu comment ça, descendre d'un ton? C'est ma voix normale. T'es raciste ou quoi? T'es raciste de rebeu? Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Bertrand. Ah, ma joie! Bertrand Cantous. Ouais, c'est un nom d'emprunt, en fait. Attends, t'es un rebeu, tu t'appelles comment? Il s'appelle Bertrand. C'est pour être mieux intégré, les gars, tranquille. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est tes parents qui m'appellent comme ça. En Algérie, t'habites où? T'habites à Paris? Comment ça, en Algérie, j'habite à Paris? Fous de ma gueule, gros. J'ai travaillé dans les banlieues, frère. Je suis cravé, ouais. Tu veux rentrer dans le truc? Regarde, Yellow, le gérant. Maintenant, t'as un problème. Bah, maintenant, tu vas parler avec lui. Sérieux, c'est un vendeur de tacos. Il veut quoi, ce mec, gadget là? Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà qui voilà, Inspecteur Gadget. Voilà qui voilà, une tapette. Merci, monsieur. Hey, arrête, elle me touche pas. Qu'est-ce que tu vas faire si je te touche même? Aïe, et pourquoi vous me frappez en pute derrière moi? Regarde, t'as vu? Me frappez pas en pute, aïe, aïe. Laisse-moi rentrer. Aide-moi, frère. Frère, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, frère. Soit tu payes l'entrée, soit tu dégages. Je paye l'entrée, c'est bon, je paye l'entrée pour elle. Vas-y, 100$. Sortez dehors. Maintenant, je te laisse avec le patron, maintenant c'est ton problème si tu te fais casser la gueule. Sortez, patron, j'espère qu'il est mort. Patron, je le connais, je te raconte, toi, wesh. Wesh, gros, ça y est, t'as compris ou quoi? Mais toi, tu vas parler bien. Les gars, pourquoi vous m'embrouillez alors que je suis le seul? Je suis tout seul, vous êtes tous 5 là contre moi. Gros, je suis en train de t'expliquer, gros. Tu serais venu, bonjour, monsieur. Parler poliment. Mais j'ai parlé poliment, j'ai montré ma carte, qu'est-ce qu'il y a? T'as un look de crevard, toi, ça se voit, ta tête. Il veut quoi, ce truc là? Go, gagez ta petite bite. C'est quoi? Viens, on va dehors. Viens, on va dehors, pas de problème. Aïe, monsieur l'agent, venez. Ils m'ont agressé, ils m'ont frappé à plusieurs reprises. Venez, monsieur. Je mets dehors. Ouais, mais toi là, t'as le plus cher. Voilà, mettez-le dehors et qu'il aille bien se faire enculer, ce bâtard. Voilà. Allez, maintenant, go soirée, les gars. Montrez-moi les plus belles putes qu'il y a. J'ai la dalle. Bah, déjà, tu payes l'entrée. Déjà, tu payes l'entrée. Attends, bah, je te paye. Ouais. L'entrée pour toi, c'est pas 100, c'est 1000 déjà. Ok, je paye où l'entrée? Allez, ta gueule. Ferme ta putain de gueule, d'accord? Tu cherches quoi en fait là? Vas-y, dis-nous. Je vous ai expliqué, j'étais là en fait. J'ai fait un. Pour me taper des bonnes putes là, voir des bonnes meufs, des bonnes michetos, histoire de me vidax les couilles quoi. Bah, vas-y, le videur, il t'a dit quoi? Il t'a dit paye le. Ah, c'est le videur, celui qui vide les couilles. Vas-y, viens, non. Vas-y, toi. Déjà, pour aller dans une room, c'est 50 000 avec une meuf. Bah, viens me vider alors, tranquille, c'est combien toi? Moi? Moi, je le mets dans ta gueule. C'est de la peau. Manque pas de respect, manque pas de respect. Comment ça, manque pas de respect? T'es videur, gros. T'es videur de couilles. Pommes, sûrement. Viens me vider les couilles alors. T'as de la force, gros. Hein. Gros. Gros. Arrête de manquer de respect. Arrête, pas l'arme, s'il te plaît. Protège-moi, le videur, il a pas le droit de m'agresser. Non, tranquille, c'est bon. Bouge pas. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. J'ai rien fait. Bouge pas, arrête de gesticuler. Mais bouge pas, tête de bite, putain, il va pas te tirer dessus. Écoute, gros, gars, ici on n'est pas des gamins, gros. T'es en train de gesticuler comme un gamin de 12 ans. Tu veux payer ton entrée, tu payes. Tu veux pas payer, tu te barres, gros. On t'a expliqué comment, en gros. Depuis tout à l'heure, on est correct avec toi, t'es en train de gesticuler comme un gamin de 12 ans. Pourquoi t'as une arme? Je m'en bats les couilles, gros. Les règles, c'est pour tout le monde, gros. Arrête de faire le gamin de 12 ans. Port d'armes, gros. Tu rentres, tu payes, tu rentres pas. Tu payes pas, tu rentres pas, gros, d'accord?
Il dit tout en gros. Tu vas pas nous casser les couilles avec ton histoire, gros. On en a rien à branler, gros. Ma mère, tu vas. T'as fiché. Alors, arrête. Eh, hey, gros, gars, j'ai juste appuyé sur la détente, t'es mort. Donc, c'est quoi, gars? J'écoute, ouais. Je paye, tranquille. Il y a des bonnes meufs derrière, je les ai vues. Regarde, viens voir. T'as pas assez d'argent? Vas-y, t'as pas assez d'argent. Paye à Bob. Va payer à Bob derrière. Paye à Bob. Paye au choix. Ah, c'est qui lui? C'est qui lui? C'est quoi ce crâne là? Les filles, on les touche pas, les filles. Et il veut quoi, Robocop là? Tu veux quoi là? Eh, hey, le videur il est où là? Tu me payes, je paye, tu me vides, ok? Et tu payes, je me vide. Ah! Eh, hey, il veut quoi le piche Casimir là? Lui là. Il se dégage, là. Eh, hey, y'a pas un couvre-feu pour les piges ici ou quoi là? Et pour les haut-parleurs aussi, il a pas un ordre. C'est parce qu'en fait. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Termine ta phrase, il a trop de temps, gros. Vas-y, termine là. Le patron de l'unicorne, il lui a dit comme quoi qu'il faut les payer. Il veut pas payer. Tout à l'heure, il insulte des gens comme ça, de bâtards, d'enculés. Il a trop de temps à finir sa phrase. Monsieur l'agent, je vais vous parler avec ma voix. Comme vous le voyez, je suis un blanc. Et je suis français de souche. Je suis rentré et tout de suite j'étais agressé. Ils m'ont pris pour un arabe à joie. Je ne comprends pas. Et la personne que vous voyez juste derrière vous est une personne qui est armée. Veuillez l'appréhender s'il vous plaît tout de suite. Écartez-vous. Bah alors maintenant vous faites mal les malins, hein? Vous avez vu que j'ai de la répartie, bon enculé. Allez fouillez. Mais toi en attendant t'as toujours pas payé l'entrée. T'inquiète pas, s'il te plaît. Attention les gars, Bertrand 50 ans, je l'apprends pour la première fois à faillir. Après j'ai juste de la conce, monsieur, c'est juste de la conce. Eh attends, viens on va s'isoler, toi le pige, viens, vas-y, viens. Sinon j'ai pas de... Eh il est peut-être plus jeune que toi, mais t'inquiète pas qu'il y a de goumé. Eh comment tu sais que j'ai 50 ans, j'ai 40 ans gros? Comment tu sais que j'ai plus de 40 ans, sale bâtard? Bon bah au pire des cas je m'en fous. Déjà j'ai vu ta carte d'identité, alors c'est pas le fou. Ouais et alors, t'as pas le droit de savoir mon âge gros, ça me fout. Allez, pars vite de là, tu veux chercher la merde à moi. T'as vu ton nez, mon frère? T'as un nez, je suis le prolongement de ta petite bite, gros. Je te l'ai dit tout à l'heure. Gros. Tu parles avec moi. Je comprends pas ce que t'as dit là. Oh, y'a le flic, de toute façon, vous pouvez rien me faire, les gars. Y'a le flic qui est juste. Aïe, aïe, aïe. Monsieur l'agent, depuis tout à l'heure, je me fais agresser par des malandrins. Et on se fait pas agresser, nous? Vous insultez depuis tout à l'heure maintenant. Il va se calmer, Robocop. C'est quoi le Robocop? On va se mettre derrière. Pour te parler bien, mon employé, monsieur. Mais hey, le mec qui parle, c'est un gros lard. Il parle avec nous, il touche le RSA. Le mec, c'est on clair. Est plus riche que lui, s'il te plaît. Eh, je suis gros, j'ai des nibards, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Bah ouais, t'as des nibards. Et alors, sors joli tes nibards, y'a quoi? Eh, mets ta bite entre mes nibards, tu vas voir comment je vais te faire jouer, ça va tard. N'hésitez pas à lui mettre des fessées dans la lessive. Monsieur l'agent, il a mal parlé des gros, y'a de la grossophobie, vous dites rien, monsieur l'agent. D'accord, très bien. Évitez de cracher. Et on me crache dessus, vous dites rien. Bon, allez-y. Je prends un multi. Bata. C'est un viol de crachat là, monsieur l'agent. Je me fais bekaki en crachat, vous êtes sérieux, monsieur l'agent? Regardez, vous laissez faire. Merci, monsieur l'agent. What? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux, Chala, vous avez dit Chala, je meurs avec le coronavirus. Je vous jure, monsieur, il respecte pas le confinement. Je l'ai vu à Carrefour acheter des chips entre 18h et 20h. Il est pas resté chez lui. Je suis sûr, c'est le mec qui a été chercher des roues. C'était pas des chips, c'est des chipsters. C'est différent, c'est des pétales de blé. T'as pas commencé, t'es parti à Carrefour et t'es revenu, je t'ai vu. Ah ouais, vous faites les malins? Eh bah, tu sais quoi, je vais dire, allez, je vais sortir ma dernière carte magique. Monsieur l'agent, j'ai une GoPro. Alors, vous faites les malins maintenant que j'ai toutes les preuves, bande d'enculés. Attends, tiens, gars, je baisse la vitre, attends, regarde-moi. On l'a pas vu. J'ai une GoPro, j'ai une POV sur le bout de ta mère. Mais non, mais sa GoPro, c'est son nez, wesh. C'est son gros nez. Son gros nez. Lui, ça soit, on l'a pris derrière le crâne, on l'a éclaté contre un mur. Je crois que je connais, c'est Bertrand. Eh, elle veut quoi la meuf là? Vas-y, traîne pas ici là. Tout ce qu'on a maté, c'est ton bout, le chien. La meuf normale, elle est en train de nous chauffer le sgeg comme ça, elle se ramène avec son petit bout. Tu vas parler à un admin, tu vas baisser d'un ton immédiatement. Ah, pardon, excusez-moi. Ah bah je pouvais pas savoir, je savais pas. Flinch. Ouais, désolé. Attendez, reculez. Ce que je vais proposer, les mecs. Les... Ah ouais, c'est bon, au moins comme ça, parle pas trop, les gars. Ils sont contents. Ils m'ont agressé parce qu'en fait, je suis un rebeu et ils aiment pas les accents quand je parle comme ça. Sinon, vous allez bien, mademoiselle, ça va ou quoi, là, ma famille? Je suis en admin, là, donc je suis intervention admin. Donc me dérange pas, s'il te plaît. Elle est chaude, hein. C'est une vraie meuf? C'est quoi? Mais c'est quoi ce serve? Ah, cher! Tu t'es bien niqué le tibia, sale bâtard! Descends, cassez ma voiture! Eh, laissez ma voiture tranquille là! Eh, poussin jaune, dégage! La tête de WAM, je te. Non! Eh, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Putain, j'arrive pas à démarrer! Je crois que c'est l'admin qui a craqué, il a tué tout le monde! Oh, voilà! Oh, enfin, je suis libéré. Ouais, c'est bon, il y a une explosion ici. Oui. Bouchez. Ah bah t'as tué, oh non, vous avez tué le médecin.
Pourquoi tu parles mal, toi? Baisse tes yeux, c'est la victime. Je t'ai fait niquer tout à l'heure. Ferme ta gueule, va te faire enculer. Comment tu parles? Je t'ai fumé en RP, ça, bouffon. Je t'ai niqué, je t'ai fait tous niquer en RP. Donc maintenant, baissez les yeux, là. Je vais te mettre une de ces pommes. Ton nez, il va être encore plus déformé que ton avenir. Wow. Ah bah voilà. Tu vas rien faire! Ah bah enfin, merci mademoiselle. Bien aimable. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur la scène, mais on m'a écrasé. Un fils de pute de troller qui a carcassé tout le monde. Pourquoi vous rigolez? Vous ne tenez pas votre scène depuis tout à l'heure. Je joue le rôle d'une racaille rebeu et je vous termine en RP. Pourquoi vous n'avez pas de répondant? Obligé d'utiliser la violence, bande de cons. Non, non, mais t'es fort. Ah, genre 47, ouais, les gars, pourquoi vous faites les victimes, là, bande de tarlos, là? Je me rappelle de moi depuis tout à l'heure, les Men in Black. C'est Covid-19, les. Ouais, je sais pas, c'est ça. Déjà, c'est confinement, tu rentres chez toi parce que t'es une petite merde, tu vois. Casse-toi par là. Ouais, c'est ça, excusez, mon attestation. Oui, je l'ai, tu peux te la mettre dans le cul, j'en fais un papyrus, je l'enfonce directement dans ton petit anus. Non, bah... Tiens-toi à un mètre de distance. Sinon, tu vas faire quoi? Tu vois, tu ne respectes même pas le règlement et la loi. J'en ai rien à foutre, moi. Le règlement, t'es signé ici. J'ai toujours rêvé de me masturber avec du barbelé sur un crâne chauve. Ouais, ouais. C'est excitant. T'es un comique, toi. Oui, c'est l'école derrière. J'ai pas dans la prise, il faut... C'est ma bite sur ton crâne, écoute un peu. Toi, tu vas m'écouter un peu, là. Je suis un guignol. Oui, tu es un guignol. Regarde, je mets mes verges sur ton crâne. Regarde, écoute bien. Franchement, il change les personnages, c'est un truc de ouf. Attends, viens deux minutes, on va discuter toi et moi. Viens, j'ai appelé les flics, je crois. Mais pourquoi vous discuter avec le patron de l'unicorne. Vas-y, viens, je vais te prendre le cul, hein, mais vas-y, ouais, si ça te fait plaisir. C'est tout ce que j'aime, on me l'a déjà fait. Ah, pas joie. Bon, c'est quoi ton délire, là? Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur l'agent. Je voulais pas vous déranger à la base dans votre établissement. Veuillez m'excuser. Ok, mais t'es venu quoi, faire boire un verre, ou t'es venu pour un recrutement, bordel de merde? J'ai simplement venu boire un verre et remettre à sa place le petit pige, là, qui ressemblait à Casimir, qui a une dégaine de poussin. Mais le monsieur en jaune, le petit gamin en jaune, qui avait une voix d'enfant. Ah, bah lui, je le connais pas, lui, c'est un client, je m'en bats les couilles de lui. Oui, je voulais lui remettre à sa place en termes de RP. J'espère qu'il est en train de crever avec un poumon percé, ce fils de pute. Bon, du coup, tu veux venir boire un verre? Non, ça ira. J'ai l'impression que... Attendez. Présent, Bertrand. D'accord. Qu'est-ce Bertrand. Qu'il veut, lui? Il veut que on je défonce sa gueule. Oh là oh là oh là oh là. Voilà, hey, monsieur l'agent, monsieur l'agent, faut l'arrêter. C'est hein. Tout ce que vous avez. Ah, allez, il vient de m'agresser, monsieur l'agent. Qui ça? Allez, vas-y, frappe-moi, salope, viens de moi. Ah, allez, agressez-moi, vous avez ça en RP, allez-y, frappez-moi, vous n'avez que ça en RP. Allez-y, violentez-moi. Non mais Bertrand, envoyez votre sperme dans ma bouche. J'aime ça, t'aimes ça un salope. T'aimes ça un salope. Avec un pêcheur, je trouverai un compas. T'as un petit écolier, je te pointerai et je te piquerai les tétons, sale pute. Bertrand, on a du taf à te proposer. Ta gueule.